Bonjour, c'est Esprit Z. Comment allez-vous? Alors oui, vous voyez un peu le décor derrière, je suis à l'internat du lycée, alors je sais pas pourquoi je filme ici, mais j'avais tellement envie de filmer une vidéo réaction que j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, c'est normal si vous entendez quelqu'un parler, c'est parce que j'ai un copain ici qui fait de l'anglais, et j'ai un copain derrière qui veut pas que je le montre. Non, je vais pas tourner la caméra, non. Et d'ailleurs, si la vidéo n'est pas de très bonne qualité, c'est tout à fait normal, puisque j'utilise ma webcam. Bon, aujourd'hui, je me mate la bande-annonce finale de Aquaman, et bah, je l'attends avec impatience, parce que après le trailer de 8 minutes, j'espère avoir des scènes que l'on ne connaît pas. Lumière, moteur, ça tourne. Vous connaissez la réplique? Bon, bah d'accord, ils sont pas chauds. Réaction. La légende dit qu'un beau jour, un nouveau roi viendra. Et qu'il se servira du pouvoir du Trident pour reconstruire l'Atlantide. C'est ici que Vulko m'a donné ma première leçon de natation. Je sais nager, j'ai pas besoin d'apprendre. Tu es bien loin du compte. Oh. Le bouffon vert. Et tout l'enseignement du monde de la surface. Va au tréfonds de toi-même, à la découverte de tes instincts d'Atlante. Il a passé toute sa vie à s'entraîner. Pour devenir le meilleur. Mes parents ont fait de moi ce que je suis. Je suis le protecteur des profondeurs. En ce trident repose la force de l'Atlantide. En mauvaise main, il ne causerait que destruction. Mais aux mains du vrai héritier, il unirait terre et mer. L'heure est venue pour l'Atlantide de renaître à la gloire. Il faut l'arrêter à tout prix. Mais c'est quoi ton plan de génie pour ça? Tu dois trouver ceci. J'en ai déjà un, c'est bon. Très loin de valoir celui-ci. La guerre va ravager la surface, que cela t'agrée ou non. Le 19 décembre. Ta mère le savait que t'étais exceptionnel. Elle était convaincue que ce serait toi l'unificateur de nos deux mondes. L'Atlantide a toujours eu un roi. Aujourd'hui, il lui faut plus. Mais mieux qu'un roi, ce serait quoi? Un héros. Un héros. Le malaise, oui, c'est bon, hein. C'est pas grave, je vais flouter ton visage. En tout cas, si tu veux pas de toi sur YouTube. Non, là, je croyais qu'il était juste en train d'enregistrer sa voix. Mais tu peux... Ah ben non. C'est pour ça que je t'ai dit de sortir. Lucas, il m'a fait... Donc moi, je me suis dit, ok, on fait pas de bruit. Ah, j'ai essayé de faire des mimes et tout. Sûr que on me voit en mode. En plus, on me regarde, on me voit trois fois regarder l'écran en mode. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas ce qu'il fait. Je regarde Aquaman. Très marrant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer? Trailer final de Aquaman. Bon, ben, on voit pas mal de choses et justement, on sait maintenant à quoi sert le Trident, c'est de reconstruire l'Atlantide. Et entre les mains du beau-frère d'Aquaman. Eh ben, ça va lui servir à détruire non seulement l'Atlantide, mais aussi à envahir le monde de la surface. Et donc, Aquaman va essayer d'arrêter son beau-frère. Histoire tout à fait normale. Eh bien, ça a l'air franchement super cool. Les niveaux effets spéciaux, ben, je suis vraiment conquis. Alors, non seulement le duel, il a l'air parfait, et après le grand combat là avec le Mesazor, j'ai hâte de voir la scène entière. Et on retrouve l'acteur qui a joué le bouffon vert dans Spider-Man 1. Bon, bah, je sais pas ce qu'il fait là et qui il est, mais c'est une sorte de mentor pour Aquaman, et j'ai hâte de voir un peu plus de détails sur ce personnage. C'est la fin de cette vidéo réaction, je remercie ces deux personnes juste à côté de moi de n'avoir rien dit, et la troisième personne qui a fait irruption sans le vouloir. Je tiens à faire une petite dédicace à un certain Théo, un certain Théo Hugues, qui m'a demandé de faire une dédicace pour lui, voilà. Bah,
En fait, je connais son cousin et il m'a demandé par Snapchat directement « Est-ce que tu peux me faire une dédicace ?» Bon, j'ai hâte de voir ce que tu vas en penser de ma dédicace. Si, en tout cas, si tu as tenu jusqu'ici dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est bon. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas fait ta dédicace vu que je viens de la faire. C'est Esprit Z, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo action ou pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, demain, nouvelle vidéo très importante, vidéo annonce, parce que oui, vous ne l'avez pas vu, parce que vous ne suivez peut-être pas ma chaîne, mais j'ai arrêté les ciné-news et je vous l'expliquais pourquoi demain. Allez, coupez !